Kalima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque et père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Donc je vais commencer par là, n'importe parce quoi. Que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers aux zoos et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non, ça c'est quoi? C'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En trois lignes, on dit ceci, un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations et a fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit, ça, que j'ai ici, ce torchon de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ce document, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner aux candidats, aux candidats présents à la République une liste expurgée pour monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Le 30 juin, vous nous avez dit que vos auditeurs ont demandé de donner des listes. Je vous avais dit que c'était une exigence légale. Allez consulter les articles 6 et 8 de la loi électorale. Donc, nous sommes là, nous sommes venus ici et vous nous présentez cela. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800 ou reçu 800 millions de dollars et au total vous allez en recevoir 1 milliard 100 millions pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de Congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent, on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des atlas ici, je ne sais pas quel marché, qui a gagné ce marché, et venir ici nous présenter ces documents. Monsieur Kadima, les fichiers électoraux, c'est l'essentiel, c'est la base des élections. La question que je vous pose, est-ce que nous irons aux élections avec 43 955 181 électeurs ou comment? Pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, vous avez recommencé le processus d'enrôlement des électeurs. Il y a des gens qui vont pour se faire délivrer des duplicata, ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas leur nom. J'ai fait l'expérience même ici chez vous. J'ai envoyé 10 cartes d'électeurs, parce qu'on peut le faire ici. J'ai reçu 4 où on a trouvé les noms. Et les autres, on n'a pas retrouvé les noms. Et à la cité, quand on ne retrouve pas les noms, on demande à ces requérants de remplir une nouvelle fiche. Donc, ça devient un nouvel électeur. Nous allons avec combien d'électeurs? Et qui est fou dans ce pays, dans ce monde, pour accepter d'aller dans un processus où on ne connaît pas le nombre d'électeurs? Moi, je vous ai dit, et je le répète, donc, on vous a utilisé parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale, vous connaissez toutes les fraudes qui existent en Afrique et vous venez ici pour proposer ces fraudes-là. Parce que l'imprimante thermique a été utilisée à dessein et vous saviez que les données, les écritures allaient disparaître. Pourquoi maintenant vous achetez des imprimantes normales? Donc, je vous pose une question. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, dans combien d'antennes vous avez déployé cette liste? Combien d'antennes ont déjà reçu des listes? Et combien d'antennes ont fiché ces listes? Et dites-nous pourquoi vous avez violé intentionnellement, délibérément, les articles 6 et 8 de la loi électorale. Franck Diongo vous a cité ces articles, je ne reviens pas. Pourquoi vous les avez violés?
Ici, c'est une violation flagrante. Et dites-nous, je vous donne un exemple. J'ai beaucoup d'exemples ici, il n'y a pas de temps. À Kabeya Kamwanga, il y a un centre qui avait enrôlé 959 électeurs. Mais la liste qu'on amène là-bas reprend seulement 26 électeurs. Ok ? Comment vous justifiez ça ? Je peux vous donner d'autres cas. Et vous venez de le dire que nous avons organisé l'enrôlement pour ne pas exclure les électeurs. Si l'épopée des cartes nous montre que c'était fait intentionnellement, et maintenant, dites-nous, dans combien de temps vos requérants ou les requérants, ceux qui veulent des duplicata, vont avoir leur duplicata. Un. Deux. Quand est-ce que maintenant vous allez publier la liste définitive? Votre présentateur tout à l'heure a dit ce qui nous intéresse, c'est 15 jours avant, on publie. Non, ce qui nous intéresse, c'est le respect scrupuleux de la loi. Déjà, vous avez violé la loi portant identification et enrôlement des électeurs dans son article 39. Parce que l'article 39 disait que vous devriez publier des listes provisoires après enrôlement des électeurs. Vous ne l'avez pas fait. Donc, nous sommes ici, on est traînés comme ça, comme des moutons de panure, et nous devons aller n'importe où. Donc, ce que nous voulons, monsieur Kadima, vous ne pouvez pas vous tirer en bon compte comme ça avec l'argent de l'État. Vous ne pouvez pas. 1,1 milliard, c'est énorme. Nous voulons ici, ces listes-là doivent être auditées. Nous voulons que vous nous présentiez, s'il vous plaît, les fichiers électoraux. Le fichier ne peut pas être corrompu. C'est l'élément essentiel du vote. On va aller voter comment? Donc, beaucoup de gens ici vont dans les centres, ils ne trouvent pas leur nom. Et quand est-ce que maintenant, dans moins de 40 jours, nous allons avoir ces listes? Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, vous-même, vous l'avez dit, ce n'était pas pour exclure les électeurs, mais vous avez exclu les électeurs. Ici à Kinshasa, vous avez des écoles, même adresse, mais les noms différents. Vous avez deux fois adresse, école différente. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, vous venez ici, vous appelez les corps diplomatiques, on va dire, voilà, tout ça, on va signer les codes de conduite. Qui est fou ici pour signer un code de conduite? Vous, quel code de conduite vous signez? Nous allons nous mettre avec vous, monsieur Kadima. Monsieur Fayoulou, oui. Vous exagérez un peu. Je n'exagère pas, s'il vous plaît. Non, écoutez-moi. Je n'exagère vous pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifique. Nous ne pouvons pas. Vous parlez en général comme si vous faisiez un discours politique. Il faut nous donner des éléments concrets. Est-ce que vous êtes sérieux? Nous avons publié la liste, justement provisoire, pour que les gens viennent nous montrer les défaillances. Mais vous, comme vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner de détails. Non, mais je vous donne des détails, monsieur Kadima. Moi, je vous donne des détails, s'il vous plaît. Vous exagérez. Je n'exagère pas, je vous donne des détails. Je vous ai dit, est-ce que l'audit que j'ai montré ici, ce n'est pas le détail? Votre discours là ne tient pas. Non. Vous appelez un document un torchon, en même temps, vous recourez aux recommandations de ce document. Vous vous contredisez. Non, je ne me contredis pas, je ne recours pas. Il faut arrêter ça. Les recommandations, c'est les recommandations de l'audit de l'OIF. Et je vous ai dit que dans votre document, il n'y a aucune recommandation pertinente. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous utilisez l'argent de l'État et je vous ai donné des données précises, des éléments précis. Il faut que vous répondiez précisément. Merci. Merci. Nous allons permettre à son Excellence, monsieur.